Nous allons passer quelques courses, notamment les 5 prix d'Amérique de Franck le Magnifique. Ça va permettre d'attendre les gens qui sont en retard. Après, le maire d'Avranches, dit un petit mot, madame Catherine Brunoran éventuellement, également, si elle est là, si elle est encore ici, oui. Et de l'eau, si vous dire quelque chose, parce que c'est le patron des chevaux, c'est le patron des chevaux, pas des hommes, mais des chevaux, que des chevaux, dans la Manche. Bonjour à Franck, parce que je ne l'ai pas vu, on a vu, il est par là, c'est pas grave. On va regarder les courses. Salut Francky. On va commencer par le président de la République. Pourquoi cette course-là? Parce que ça va être simple, les gens me demandent pourquoi Franck est invité au Clubhouse de l'US Avranche. Parce que... Salut Franck, ça va, c'est bien. Je le remercie d'être présent. Il ne rate jamais l'occasion. J'espère que ça lui porte chance un petit peu. Il n'a pas besoin de ça. Il a eu le talent. Quand on a eu le talent, on n'a pas forcément beaucoup de chance. On n'a pas besoin de chance. Mais néanmoins, c'est gentil d'honorer sa ville de naissance. Le maire lui dira. Je disais, oui, le prix du président de la République était son premier groupe 1. Tu avais 20 ans. 2003, c'est ça. Oui, ça fait 14 ans déjà. Et je me rappelle, donc c'est pour ceux qui ne suivent pas les courses, c'est un cheval qui était en partie de ma propriété, la moitié de la propriété, la moitié de Jean-Yves Rosé, l'abattoir de Vitré. Et je lui ai demandé 15 jours avant, il était jeune, le petit, et je lui ai dit, mais tu pars, on va courir, est-ce que c'est bien de courir? Je rappelle que c'est la cinquième course en France, elle est classée comme la cinquième course, le cinquième Grand Prix en France. Et il m'avait répondu, on va la courir, mais on va la gagner. Il fallait être gonflé à cet âge-là, hein, alors qu'il y avait des chevaux, c'est pour les spécialistes, des chevaux comme Latinus qui gagnaient tout. Et Franck, avec le culot de son âge et la qualité de son âge, vous allez voir, hein, le prix de la présidente publique. Donc c'était un cheval qui était né, enfin qui était, oui, né dans le Grand Avranche maintenant, entraîné par le Grand Avranche, par le, vous avez regretté, Jules Lepelletier, propriété d'Alain Branchinet et drivé, monté par celui qui allait devenir le troisième crack de tous les temps au niveau du prix d'Amérique et qui est évolué et né pour battre le record de Jean-René Bojon. Il a le talent pour ça, il a les chevaux pour ça, parce qu'il faut tout, mais on ne confie pas des chevaux de cette valeur-là à des gens qui savent monter. Personne ne m'a proposé de monter des chevaux, des pauvres chevaux. Surtout pour la SPA. Et plus sérieusement, on va regarder ces 5 courses-là, ça va permettre aux gens de... Et puis après, il y a quelques journalistes qui pourront poser des questions à Franck. Hein, ça, c'est pas un bavard. Hein, mais bon, il est meilleur à son boulot, hein, que micro à la main. Il est comme moi, je ne suis pas très très bon, je m'en excuse. Voilà, les courses, et puis on prend la main, si vous voulez bien, et puis on boira un coup, forcément, après. À tout de suite. À toi, Lionel. Tout le monde n'était pas arrivé tout à l'heure. Je voudrais m'excuser, hein, le club organisateur, et non pas la mairie, pour les désagréments un petit peu horaires. Hein, c'est l'association qui n'a pas tant de relation avec la presse, mais c'est de notre faute. On a su, mais on a su se rendre, se faire pardonner, mais on a offert un pot. Tout le monde avoir, mais c'est bien. Voilà. Et voilà. Si Franck peut venir ici, s'il veut bien, je voudrais juste, le temps qu'il arrive ici, remercier Franck d'abord, Lily, parce que c'est elle qui œuvre dans l'ombre, elle n'a pas gagné plus d'Amérique, mais je crois qu'elle en a un bon bout. Cédric Legal, qui nous file un coup de main tous les ans, et sans qui aussi, ce serait impossible de faire un petit pagnon qui n'a rien de... qui n'a rien d'exceptionnel, simplement elle est sympathique, elle permet de retrouver la monnaie locale. Donc, je disais, monsieur le maire, je crois que la personne la plus connue d'Avranche maintenant, c'est Franck Levac. Merci des cours de chaud. Je pense au président de la société des cours d'Avranche. Merci des cours de chaud, merci la famille Niva. Et merci à tout le monde.
J'ai dit, Varga, j'ai failli avoir ton instituteur. Il ne pouvait pas. Il serait venu dire comment tu étais brillant élève. Que pour être brillant élève, on gagne 5 000 Amériques. Enfin, pense. Plus sérieusement. Alors, si maintenant on peut avoir un tout petit peu de silence, je vais laisser la parole à M. David Nicolas, le maire et président de la communauté de communes, Mme Denora. Je ne sais pas la hiérarchie, comment ça se passe, ça fait des années que je suis plus élu et j'ai perdu le fil. J'avoue m'avoir perdu le fil de la politique complètement, tout de suite. À vous, M. le maire. Bien. Merci Gilbert. Bon, bonsoir à tous, moi je vais être très bref, simplement pour vous remercier d'être présent ce soir. Donc je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont très impliquées dans le milieu hippique, au sens très large du terme. Et je sais que c'est pour vous un vrai plaisir d'être présent ce soir pour saluer le passage dans la ville d'Avranches de Franck Nivard, l'enfant du pays, la célébrité locale, comme le dit si bien Gilbert, surtout à l'occasion de cette nouvelle victoire, à l'occasion du prix d'Amérique. Alors c'est vrai qu'à Avranches, le prix d'Amérique, il est extrêmement suivi, puisque tous les ans, ça tombe systématiquement le jour du repas du CCAS. C'est une tradition, ça dure depuis... Alors c'est le centre communal d'action sociale. La Minima, on l'appelait, était une fidèle du CCAS, et bien évidemment elle était très très fière de voir la victoire de son petit-fils sur le grand écran dans la salle Victor Hugo. Alors malheureusement, elle est décédée il y a maintenant 3 ans, à peu près. Donc les deux dernières victoires, elle n'a pas pu les voir. Mais je pense qu'on peut avoir une pensée pour elle, parce que s'il y avait une supportrice fidèle donc à son petit-fils, c'était bien elle. Voilà. Donc merci à tous d'être présents. Nous, on est contents, ville d'Avranches, de pouvoir accueillir Franck ce soir. On l'avait fait l'année dernière. On a dit avec Gilbert cette année qu'on allait changer un peu de crèmerie, qu'on allait profiter de ce hall de l'USA, cette tente VIP qui est là pour recevoir les personnages importants les soirs de match du club, donc qui évolue en national. Et puis voilà, il faut que cet espace vive et puisse servir à l'occasion de réception, comme ce soir ici, en l'honneur de cette nouvelle victoire. Alors il y a eu le prix d'Amérique, mais aussi le prix de France là récemment, donc c'est le week-end dernier. Donc bravo, continue, parce que je pense que tu fais plaisir à beaucoup de personnes ici dans le sud de Manche, et à Avranches en particulier. Et puis surtout, n'hésite pas à revenir, c'est que t'es bien vu ici. Et qu'à chaque fois c'est l'occasion de boire un verre, donc reviens quand tu veux, parce que c'est... Ou deux. Alors est-ce que tu veux dire un petit mot? Un mot. Je voulais déjà remercier toutes les personnes qui sont venues ce soir me féliciter. Je suis très content de voir qu'il y ait autant de monde. Et c'est toujours sympa d'être bien accueilli dans sa ville natale. Je suis très, très heureux d'être honoré ce soir. Voilà, merci à tous. Alors ce qui est très amusant, c'est que quand on discute avec les personnes qui sont dans la salle, il n'y a pas une personne ce soir qui n'a pas une anecdote liée aux relations qu'elles ont pu avoir avec toi, et notamment un monsieur qui n'a pas pu rester, qui s'appelle Joseph Chenu, qui habite tout près d'ici, qui était policier municipal, et qui se souvient très bien de toi, alors que tu étais en CM2, et qui faisait partie de passer le permis piéton. Voilà. Donc, je sais pas si tu t'en souviens, mais lui se souvient de toi. Bon, moi, j'ai transmis le message. Il m'a dit de te dire bonjour, donc je te dis bonjour. Ça, ça part. Et puis, il y a une personne qui est un vrai fan aussi, qui est capable de vraiment de s'enflammer le jour du repas du CCAS. C'est Michel Leblanc qui est là-bas, qui est caché avec sa casquette. Qui est un fondu du milieu éthique, quelqu'un de très, très, très modeste, qui est bénévole dans beaucoup d'associations locales, qui est très impliqué aussi dans la vie du club, en tout cas qui s'intéresse beaucoup au foot, et qui est très heureux d'être là ce soir, parce que c'était quasiment un rêve. Alors il m'a demandé un truc, c'est de lui ramener une photo dédicacée. Donc si tu m'en donnes une, je lui souhaite toujours cadeau. Voilà, en tout cas il y a ce qu'il faut. Alors je vais laisser la parole à André Denot qui est présent ici, qui représente le conseil départemental et son président Philippe Bas, aux côtés de Catherine Brunnery. Alors, je vais céder la parole à André, parce que c'est André qui représente la filière équine pour le département. Je t'aurai associé de toute façon, donc vas-y André. Vas-y André. Et en plus, toi aussi, tu as des anecdotes personnelles. Voilà. C'est le cadeau, mais c'est le Mont-Saint-Michel et ton blême.
Ouais, bonne nouvelle. Voilà, donc c'est un cadeau, donc on l'a dit, Gilbert, tu le gardes comme ça. On ne sait jamais si tu veux faire plaisir à quelqu'un. Voilà, en tout cas, merci d'être venu et puis à tout de suite. Ouais, moi ça va être très très court. Et Franck, reste près de moi parce que, bien sûr, au nom du président Philippe Bas, je félicite Franck, comme chaque année, hein, pratiquement, pour avoir gagné une fois de plus le prix d'Amérique. Mais je voudrais, moi, surtout parler de Franck que j'ai connu après le CM2. Hein, je pense après le CM2. Parce qu'il se trouve que mon fils était un copain, et il y a d'autres copains qui sont là, hein, au collège, et puis au collège, je pense, c'était. Hein. Et une anecdote toute simple, moi j'avais acheté, alors je suis aujourd'hui conseiller départemental en charge de la filière équine. Et pour beaucoup de gens, ils me posent la question, vous êtes un homme du cheval, ben non, j'étais dans d'autres productions, bovines, etc. Mais néanmoins, je me suis rappelé que j'ai quand même été un homme du cheval, parce que j'avais acheté une ponette pour mes enfants, et notamment pour ma fille. Et un jour, il y a Franck qui arrive, ça fait 15 ans, chose comme ça, hein, ou 13 ans, ou 12 ans, bon. Et puis, on avait débourré la ponette, et ensuite, on l'attelle à une charrette que j'avais trouvée, bon. Et puis moi, je fais des recommandations à Franck, en disant, tu vas faire comme ça, puis il y a Franck qui me dit, donc, c'est quoi ta bourrique, là, moi, j'ai monté sur autre chose. Ben oui, parce que Franck quittait l'école à 2h30 ou 3h30 pour aller entraîner les chevaux chez Fanfan, que j'ai vu tout à l'heure, hein, qui était par là. Et bien sûr, le prof disait, bah, tu feras rien de ta vie, bien sûr. On a vu, tu n'as pas dit. En tout cas, voilà, moi, c'est à chaque fois un plaisir de me retrouver avec Franck sur les hippodromes. Et puis, bien sûr, dans une circonstance comme celle-là, c'est encore plus merveilleux. Bravo, Franck. Avant que descendre, on va juste faire une photo parce que j'ai deux footballeurs qui voudraient te remettre un maillot vieux salonche. Regarde le but. Antoine Dubeuf et Julien Rico, ils sont où? Ils sont là. Et je crois que le maillot de. Voilà. Ce sont des surfistes tous les deux, mais ils sont très très. Voilà. On peut voir le numéro. Le numéro, c'est le numéro 17, celui du prix d'Amérique. Le dernier. Voilà. Un petit clin d'œil. Et si ça ne dérange pas, je voulais aussi remercier Pierre Lévesque d'être présent. C'est un honneur de recevoir Pierre Lévesque ici à Branche. Et éventuellement, si Garato veut bien venir ici deux minutes, et Anne, éventuellement, qui a quelques mots à vous dire sur une association qu'elle a créée. Si ça ne dérange pas de venir ici. Ah, c'est comme ça. Voilà. Écoute, allez-vous qualifier? Très bien. Et demain, je vais avoir aussi. Vous avez raison. Okay. C'est pas mon métier de poser des questions, mais comment vous faites avec Franck? Alors, pour avoir des bons chevaux, visiblement, vous avez le talent et le don pour ça. Après, choisir Franck, pourquoi? Hein, parce qu'il est avant-chiné, parce qu'il a gagné d'autres, parce qu'il est gentil. Non, ça s'est passé comme ça, parce qu'à l'époque, Eric, il y avait Booster Winner à la maison avec Lille Montfort. Donc, quand j'ai récupéré le cheval, il n'y avait pas de driver pour Bold, donc j'ai appelé Franck. Et étant donné qu'il drivait Real Cash, et c'est un peu donc c'est la même origine, j'y tiens, mais Franck va le mener, et puis ça s'est bien passé comme ça. Autrement, ça aurait été Raffron qui va le mener. Voilà, il faut un peu de chance. Moi, t'es bien aussi, mais un peu moins bien. Ouais, tout à fait. C'est un Vendéen. Bon, c'est deux copains, donc tout va bien. Et puis Eric a gagné au Sable de la Vec, il a gagné le René Vallière, donc il a drivé un peu. Si Eric Raffin avait gagné, on ne ferait pas la fête ici ce soir. Oui, il serait peut-être en Vendée, mais je suis même pas sûr que les bons brachoux, là, ils s'amusent. Mais finalement, au mieux. Hein. On nous aura un très très bon à nouveau. On va confier à Franck comme ça. Il battra le record en négociant. Et on continuera à faire la fête ici parce qu'on aime bien ça. On travaille dur, mais bon, on aime s'amuser aussi. Voilà. Je crois que Anne a
quelque chose à dire, vous parlez un petit peu d'une, d'une association, un petit mot, voilà, même un long mot, parce que pour des œuvres de Sancerre, il n'y a pas de souci. La parole est ouverte. Bonjour à tous. Oui, donc on a créé avec Sébastien un fonds de dotation. C'est un petit, une petite fondation pour le moment. Le but, évidemment, c'est que ce soit une fondation et que ce, ça se propage à l'échelle nationale. Donc, c'est, elle se nomme Cheval Trottop. C'est pour permettre à tous les enfants d'accéder à la pratique de l'équitation gratuitement. Donc, c'est un projet très sérieux. C'est vraiment au sein des écoles. Donc, on a créé des classes de cheval. Donc, les enfants sont suivis du CP au CM2. Donc, on est au tout début. Hein, on n'a que deux classes actuellement. Donc, je compte sur vous pour aller sur le site Cheval Trottop pour effectuer des dons. Et c'est aussi pour l'avenir de notre filière, pour permettre aux enfants, enfin c'est pour permettre de transmettre notre passion, voilà, au plus grand nombre. Et on a créé aussi un fan club de l'écurie Garato, on investit dans les écharpes Bold Eagle, parce qu'il y a un grand engouement. Donc tout ce qui est vendu au sein de ce fan club, il y a une partie qui va alimenter à Cheval Trottop. C'est pour du long terme, donc je compte sur vous. Je vous remercie. Félicitations, félicitations à Sébastien Garato. Il sait choisir ses jockeys, ses rêveurs. Et visiblement, il sait choisir son épouse aussi. Et on va remettre un petit peu de musique, on va revoir un peu. Et puis, ben, ceux qui ont accepté de venir dîner, on se retrouve à, comme l'année dernière, hein, au Martinez. Et elles sont encore dehors, elles sont encore 7-8 places. Si, c'est des gens qui sont demandeurs pour aller là-bas. Voilà. Bonne soirée à tous et merci d'être venus et merci de Franck.